Le jour 29 de mon 100 jours, dans lequel j'ai décidé de faire du collage avec des retails en les pigeant à l'aveuglette. Alors bonjour, merci d'être là pour cette 29e journée. Écoute, hier j'étais à 599 abonnés. Je me suis dit, ouhou, je vais avoir un beau chiffron, 600 bientôt. Ben non, je regarde ce matin, 603. Eh bien, alors merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes. Si tu es nouvelle sur ma chaîne et que tu ne connais pas ce défi que je fais actuellement, il y a une liste de lecture dans les commentaires en bas. Alors je t'invite à aller voir ça et à venir t'amuser avec nous. Avec nos retails. Donc ici, si on reprend le jour d'hier, mais oui, on a une petite maison avec une personne, hein, qui, moi, je vois qu'il est les baguettes en l'air comme ça, mais je pense qu'il est super content d'entrer à la maison puis de voir le printemps arriver. Alors, c'était pas voulu. Et prenez part à, mais oui, à quoi prendriez-vous part, vous? C'est la question du printemps. Donc, je tourne pour arriver au jour 29. Je pars le minuteur et je commence à piger. Alors, je vais m'installer pour que tu me vois. Et j'y vais avec un bâton de colle ici, comme ça. Donc, voilà, on retrousse nos manches et on part. Ouh, OK. Oh, Lynn, regarde ce qui est sorti ce matin. Bon, le petit cœur de l'autre jour. Ça, c'est une belle pièce. J'aime bien cette forme-là, ici. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut représenter. Pour l'instant, est-ce qu'on le met comme ça? Est-ce qu'on le met comme ça? Écoute, on a beaucoup trop de choix sur une feuille blanche. Hein? Si je les mettais comme ils ont pigé, ils sont sortis ensemble. Si je les mettais toutes les deux ensemble, justement, peut-être que c'est ce qu'ils ont demandé à être ensemble. Je ne mettrai pas de colle partout, là, je vais me retenir. Alors, je le mets ici, comme ça. Et je vais venir mettre le côté beige qui va arriver dans le milieu du cœur. Alors, je vais essayer ça, voir. C'est l'image que j'ai eue, là, mais je vais essayer voir si je me rends là. Et j'ai collé le mauvais côté. OK, d'accord, on commence. Toi, c'est ça que je voulais dire, comme ça. Pour avoir une moitié du cœur beige et une moitié du cœur blanc. Pour l'instant, oups! Voilà. Je vais en mettre un petit peu ici, là. Bon. D'accord, on continue. Et une autre pièce, mon Dieu, est-ce que je l'utilise? Je vais la mettre de côté, ça fait comme une suite, comme hier. J'aime pas ça avoir deux morceaux pareils dans les deux collages. C'est beau, ça. Regarde comme c'est beau. Mais oh! Je suis en extase devant un petit morceau de papier. Ben oui, encore une fois. Bon, j'ai envie d'aller le mettre ici. On va cacher cette ouverture-là qui est ici. Pour aucune raison. Parce que c'est ça. Ça fait un beau petit, hein, un beau petit coin. Et là, j'ai ce grand morceau-là ici. Je sais pas, c'est bien beau, là, mais c'est pas mon genre d'utiliser quelque chose comme ça. Hein. Et parce que c'est pas mon genre, on va y aller. D'accord. Alors, tiens. On va en enlever un peu quand même. Là. Puis on va mettre ça comme ça ici. Ouf! Ouf, café! Il n'y a pas de couleur là-dedans. C'est étrange. Mais c'est cela. C'est cela. Juste celle-là ici. Là. Ah tiens, les petits amis de l'autre fois encore. Alors, nous avons déjà, je vais venir enlever le noir. Tout le noir, oh, oui, OK. Ils sont tous en train de faire, oh le cœur! Hein, on les voit. J'ai l'impression que ça commence déjà à être plein. Est-ce qu'on va vouloir, peut-être qu'on va vouloir venir mettre cette maison-là ici quelque part. Regarde ce qu'il nous reste comme pièce.
Je la mets de côté, je vais y revenir. Alors, un peu d'uni, un peu d'uni. Pas dire que ça va pas bien. Je vais pas venir cacher ça ici, là, qui est vraiment intéressant à mon goût à moi. Alors, je vais pas venir le cacher. Essayer d'entrer derrière. Comme ça. Bon, parle pas, ça parle pas fort, ça, ce matin, ce petit morceau-là. C'est correct. Oh, peut-être, on va voir. Un gros morceau. Un peu de verdure dans ma nature. Moitié de cœur beige et une moitié de cœur vert. Ah, tiens, regarde. Ben oui, ça pourrait être ça. C'est beau. Je suis partie dans les tout petits. C'est joli. Ah oui, un jour, je suis allée dans un marché aux puces et j'ai trouvé un poinçon qui fait des trous en, comment est-ce qu'on appelle ça, en losange, au lieu de les faire en rond. Surprise, je ne savais pas que ça existait. J'en ai déjà vu qui font des trous en forme de cœur, ce que j'aimerais bien trouver, on s'entend, mais pas en forme de... Pas en forme de point de losange, c'était ma découverte de ce jour-là.
Il reste une minute. Est-ce que je veux mettre ça ici en haut? Il me semble que j'aime ça. Et ça vient cacher. Ah, je pourrais le mettre pour qu'on voit le beige. OK. Oh, mais j'avais une belle jambe, regarde, de l'autre côté. Et là, est-ce que je veux mettre ceci, moi? Non. J'ai quelque chose, par exemple. Regarde, j'en ai d'autres personnes qui s'ennuient ici, tu vois. Regarde, elle, là. Est-ce que ça pourrait être intéressant? On pourrait jouer avec ça, hein? J'ai ceci, que je pourrais mettre comme ça. Ah, c'est intéressant, ça. J'ai ce beau danseur ici qui est déjà tout découpé. Mais oui. Ça va être elle ici que j'ai. On va le remettre là-bas. Alors voilà, un peu silencieux, le collage du jour 29. Ouais, il commence à arriver des gens. Alors, comment je pourrais bien dire, j'ai pas de mots ce matin. Mais oui, j'ai pris mon café pourtant. Il y a une évolution, hein? On la sent, et je ne vais pas la forcer. Alors, je vais continuer sur cette lancée-là. Et je vais la laisser me mener où elle a à me mener parce que je ne sais pas vraiment c'est quoi l'avenir, quelle est son évolution. Alors, on va la laisser avancer tranquillement et à son rythme. Alors, merci beaucoup d'être là et au revoir, bonne journée, bon dimanche et on se revoit demain pour le jour 30. Bye!